Ah ouais, pété. Oh ouais. Tu as déjà vu ça, toi, un gars qui réussit de même dans la vie? Mon nom est Antoine Lissier, bienvenue à Dirty Jobs. Cette semaine, on apprend à Patrick comment chauffer un char. Ah ouais, peut-être en parallèle. Ah ouais, Pat! Ah ouais, Pat! Ah, go! Ah, il est tellement pas bien parqué. Ah ouais, ah ouais! Il est parqué tout le temps, je pense. Quelque chose, c'est vrai, on monte le Mont Saint-Bruno. C'est qui fait? Hey, si, ça va! Ah, il va la chambre, t'as fait! Lars, Ulrich et Louis-Paul sont trois jeunes garçons faisant partie de l'équipe de polo nationale de l'école Saint-Jean-de-Foix. En avril 2017, ils sont envoyés par leur entraîneur pour chasser un dragon dans la montagne, prétextant le renfort de leur esprit d'équipe. Leur histoire a bien malgré eux marqué le Québec. En effet, pendant 3 jours, les jeunes sont disparus et au bout de 4 jours, seulement Ulrich finit par s'en sortir. Well, you know, at first, there were friends of mine playing polo. We were in the same team, working together, seeing each other cock a few times, if you know what I mean. And then our coach told us, go chase the dragon in the mountain, so maybe you guys can fit the connection. Let's go, go. Garde la cadence. Fuck. On monte. Si je trouve ça en pièce, il est à moi. Ah oui, Sonic. On l'a trouvé, l'animal qu'on cherche. Hey gars, j'ai quoi à vous raconter à propos de ça. Ah ouais? Ouais. C'est la première fois que j'ai fait l'amour aussi avec mon papa. Il me parle plus depuis ce temps-là. Mais au bout de quelques heures, Lars se met à cracher de l'eau. Ils savent qu'ils sont désormais atteints du syndrome de la montagne, le schlubbeschlubbe. Peu à peu, ils sombreront dans la folie. Skippy ici. Ça reste ici. Ça vient du stop. Je pense à ça. C'est quoi ça? Leur sagesse de jeune garçon jouant polo s'évanouit, laissant place à un côté bestial et animé. We just went fucked up. Totally fucked up. That was just, you know, I mean, what can I do? I was on top of the mountain. Oui. Tu es rentré dans ça, toi, la carrière de l'homme des bois? Hey! Si je te vois encore ramasser ça comme une arme. Hey! Ça suffit! Ah! Oh! Regarde, ma main est brune! Chris, t'as qu'à me monter un petit peu. De quoi tu parles? Hey! On va demander à venir au monde, moi! Tu vois que c'est ton camp! Ah ouais! Vous faites ça? Êtes-vous en train de pisser dans le bois? Hein? Mais non, si, je t'apprends à prendre la température. Hey, monsieur! Cet homme-là, il est en train de pisser dans le bois. Non, je t'apprends à prendre la température. C'est vraiment dégueulasse, monsieur. Je t'apprends à prendre la température de l'arbre avec mon pénis. Monsieur! Monsieur, il faut faire de quoi, là? On compte sur vous, là. Vous êtes le rebelle de la forêt. Ça, c'est un grand chien. J'ai reçu un coup de téléphone. Allô? Hey. Les parcs nationaux, ouais. C'est un peu comme les safaris québécois. Quoi? Vous êtes en train de me dire que les parcs nationaux, c'est comme un peu des safaris québécois? Quoi? Arrête-tu de faire du bruit, toi! Parle au téléphone! Quoi? Ah,
c'est malade! C'est une blague de Gabriel Plaisant. T'arrêterais-tu que ce soit une blague genre de Gabriel Plaisant? Hey, tabarnak, ta gueule! La nature, c'est fait. Oui! Au bout d'un moment, Ulrich se retrouve seul en forêt. Il doit maintenant faire face à son destin et s'enlever la vie honorablement pour retrouver ses amis au Valhalla. Encore une autre nuit amère à me chercher quelque chose à faire. Ça me prend pour moi pour me rappeler. Comment tu? Il y a besoin, je me suis saoulé. Tu m'aimes.